500 participants, 210 bénévoles, 70 partenaires. Les chiffres de la première édition du triathlon de Montauban sont excellents. Cette première édition, lancée le 31 mai dernier depuis les quais du Tarn, était organisée par le comité d'organisation du triathlon de Montauban en partenariat avec le Triathlon Club Montalbanais et le club sportif et artistique du 17e RGP Garnison de Montauban. Dès le matin, des épreuves étaient organisées pour les plus jeunes. Deux courses jeunes le matin, 8-11 ans et 12-15 ans, et ensuite une distance découverte qui est une distance XS. Le but étant de faire découvrir la discipline à un plus grand nombre de personnes, le plus nombreux possible. L'épreuve reine a eu lieu en milieu d'après-midi. Laurent Jalabert, parrain du triathlon de Montauban, Mathieu Perger ou encore Rémi Charahiron, sélectionné pour les Jeux Olympiques de Londres, participaient à cette épreuve qui proposait 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. À l'arrivée sur l'esplanade des Fontaines, Jérôme Save, champion Midi-Pyrénées de triathlon, et Émy Charahiron ont fait la différence. Je suis super content, soulagé parce que ça a été une bagarre jusqu'au dernier moment avec donc ce jeune concurrent de la Légion étrangère. Il est revenu sur moi au demi-tour vers le 7e kilomètre à pied. Et donc là, il a fallu vraiment aller chercher, puiser dans les ressources pour le lâcher de quelques mètres et pouvoir finir devant. Quoi. J'ai pu bien m'amuser. C'est vrai que c'est une natation en rivière, donc assez technique avec le courant. Donc c'était vraiment intéressant. Le parcours vélo, je n'ai pas l'habitude de faire ces formats-là avec pas de drafting. Donc c'était un super exercice pour moi avec les garçons qui sont revenus. Et après, en course à pied, une course à pied assez technique, mais vraiment passionnante parce qu'on passe dans le centre historique de Montauban et c'est vraiment magnifique. Et on ne voit pas le 10 km passer comme ça. Pour la ville de Montauban, partenaire de ce premier triathlon, la manifestation a été une véritable réussite. Pour un premier triathlon, j'avoue que je suis bluffée par les organisateurs. Vraiment, j'ai l'impression que ça a roulé, il n'y a pas eu une année croche. La ville est partenaire puisqu'elle a subventionné à hauteur de 15 000 euros et elle a mis les moyens à sa disposition. Un petit bravo spécial pour la police municipale qui a fait en sorte que tout roule bien, au sens propre et au sens figuré. Et puis aux 300 bénévoles que j'ai vus tout le long du parcours. Donc merci à tous. Pour un premier triathlon, je suis vraiment admirative, vraiment. Le triathlon de Montauban a servi de support au championnat de France de la Fédération des clubs de la Défense. Le succès de la journée laisse présager un bel avenir à la manifestation. L'an prochain, si tout se passe bien, nous sommes assurés d'être championnat de France en fait militaire, qui va regrouper beaucoup plus large vraiment chez les militaires. Nous venons de nous positionner pour recevoir en 2017 le support du championnat du monde militaire. Retrouvez les résultats sur le site www.triathlonmontauban.fr.